cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Paula, émission Bien-être et Beauté. Une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Jeudi à l'émission Bien-être et Beauté, nous avons un schéma spécial, nous avons une émission censée en trois parties. Donc, chaque partie, dans la première partie, on va répondre ensemble avec questions. Téléspectateurs, téléspectatrices, posez-nous sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Nous décidons aujourd'hui, hein, comme nous connaissons habitués avec ça, pour me répondre aux questions que nous posons. Dans la deuxième partie, on va faire nous vivre en partie dans la graduation de l'école, la Centre Akay École Cosmétologie. Et troisième partie, on va recevoir une étudiante qui a partagé informations sur cosmétologie, en clair sur information sur cosmétologie. Donc, avant que nous commencions à répondre aux questions, n'a pas passé par la pensée de la semaine, travailler jusqu'à ce que ça fasse mal, car la pauvreté fait encore plus mal. Président Honda qui va y penser ça. Jean nous dit en émission Bien-être et Beauté, il y a des supporters. Avant de nous répondre à la question, on a remercié Polyclinique Christina, qui a deux adresses, qui a pris là pour servir nous, qui a Fouclessine. Et en face BIM et Rue Saint-Honoré. Quel que soit problème infertilité ou bien problème garçon qui gagne problème, il après le bec à terre. Donc, c'est aller dans la polyclinique Christina, ou bien docteur Exantus qui a ba ou bon service dans la clinique ça. Et émission tout lui supportée par Université Mont-Everest qui gagne la donne plusieurs facultés, médecine, infirmière et li gagne tout sciences de l'éducation, sciences juridiques, sciences administratives. Ou capable d'aller à l'inscrit avant que le concours commence. Donc, c'est une université de référence sous ma chair. On a passé à la première question que téléspectateur ou bien téléspectatrice, parce que fille ou garçon a interagi ensemble avec nous, sous et question ça. Qui traitement qui bon pour la tête calée? Donc, qui traitement qui bon pour la tête calée? C'est une question que nous avons posé presque chaque jour. La tête calée, qui ça pour me faire? Donc, premier bagage, c'est que dans la tête calée, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs gravités. Vous regardez dans l'image, on a passé plusieurs images pour des gens que nous rencontrons dans le centre AK. Donc, les gens, chaque ont une cause, ils chaque une histoire, et puis chaque tout dépendant de combien nous avons depuis la tête calée, le traitement est plus rapide. Dépendant tout de qui ça qui fait la tête calée, il y a des gens qui allongent, qui ont un fil, qui ont un serré, qui barrette ou bien un courbant, tant que les gens ne sont pas dit. Mon ici dit nœud mais mon nan di ruban. Donc ça dépend de qui ça qui fait bote tout calé. Gen wa tous ces blo al blo cheveux non studio et puis brosse lan généralement son brosse métallique ou blo cheveux pour voir et puis racher bote lan. Donc ça yo dépendant de traitement dépend de qui cause et qui durée traitement et durée que ou gagné depuis qui lait qui année bote tout calé. Donc réponse lan li différent de cause lan de durée problème lan. Bah on dit ou clair mais de toute façon faut venir faire un diagnostic n'a passé cheveux en appareil chaque pied cheveux li entre dans un trou li sorti dans un trou donc si tout ça déjà bouché nous va faire un pour donc c'est appareil en cap dit est-ce que tout est encore vivant et puis à ce moment là n'a bon traitement pour cheveux en poussé et traitement li varier de 3 à 12 mois dépendant de gravité à dépendant de durée que problème nan té n'a passé dans l'autre question qui ça qui fait cheveux on moun pas prendre en permanent. Ça c'est une question que en pile monde a posé parce que il y a des gens qui trouvaient que le naturel ils disent ah cheveux pas jamais prendre permanent non quel que soit permanent mettre cheveux pas prendre même comme on est créole ou bien tout c'est ça que mon yo habitué avec yo parler de permanent mais ça n'a pas parler n'a pas parler de défrisant ça nous les permanent là c'est regarder mesdames sous boîte là marqué crème défrisante ou bien hair relaxer. Donc permanent là sont l'autre bagaille et me pensais que de grande émission que nous t'ai fait pour nous faire différence entre permanent et défrisant. Donc
pour capable comprendre parce que normalement l'aime parler de permanente moi me connais de qui ça n'a parlé produit que nous mettez pour défriser cheveux nous donc qui ça fait le pas prend c'est parce que cheveux a premièrement un problème de porosité à qui ça lié c'est capacité que cheveux gagne pour l'absorber ou non un produit et puis à qui vitesse que il absorbe donc porosité a pas dépendre de client il dépend de professionnel là qui doit en mesure pour déterminer texture cheveux, porosité cheveux, densité et élasticité pour connaître qui produit pour le faire client acheter. Parce que vous pas rien acheter un produit parce que zan mont acheté, parce que maman acheté, parce que sœur acheté. Chaque cheveu gon porosité, chaque gon degré de porosité et mais en vertu de ça vous fait choix produit. Lorsqu'on fait choix produit, qu'on a la fois fait choix puissance là. Puissance c'est qui ça les puissance produit on va pouvoir marquer régulier, super. Donc choix ça yo, il dépend de qui cheveux qui dans tête ou qui porosité cheveux qui degré de porosité est-ce que son porosité qui faible est-ce qu'elle moyen est-ce qu'elle faute donc ça nous c'est pas bagaille pour fan ka fè normalement confier tête nous avec un professionnel qui connaît qui ka font examen physique sans appareil pas besoin appareil pas besoin faire un paquet cérémonie pour déterminer si un cheveu ka prend ou non dans un produit m'a pas dit que pour tout le monde même mes enfants parce que moi j'ai 18 ans de m'a fait ça donc un monde tout qui passe dans l'école qui capable aider le faire un examen physique pour cheveux capable aider déterminer est-ce que cheveux apprend ou bien pas prend celle ça me ka dire il pas normal pour cheveux pas prendre en permanence deuxième bagaille c'est que si cheveux trop sale et produit acheté trop petit pas en quantité cheveux gen noir pas prend l'autre bagaille sous fait fin mettez allonge ou mettez greffe et puis on est retiré ou mettel dépendant des capacités cheveux problème porosité à retourner encore et puis cheveux lui même dit gagne pas prend sous gagne pellicule ça nous les cap là la gratte on cuit cheveux sensible qu'on a faut choisir produit qui pour cuit cheveux sensible faut on utiliser des crèmes spécifiques qui fait pour ça pour mettre dans cuit cheveux pour capable mettre et puis gagne technique professionnelle on penser dans prochaine émission m'a venir avec yo pour nous en image comment pour capable mettre un produit dans tête un client qui gagne cheveux sensible m'a venir avec image pour nous prochainement donc qui ça fait cheveux pas prendre premièrement faut professionnel là en mesure pour les deux choisir produit en vertu des types cheveux de densité cheveux à texture et élasticité porosité donc on l'autre question sous même tableau ça fait un monde bouler dans permanente c'était vraiment j'en ai rien des questions sous permanente là qui ça fait cheveux un monde pas prend m'expliquer nous gain problème porosité gain problème cheveux qui sale gain retirer allonge retirer greffe qui fait que cheveux en lui-même n'est pas dans condition pour le prendre et qui ça fait un monde bouler dans permanente ça c'est dernière question que je dis m'a répondre pour nous sous question que nous t'ai posé qui ça fait un monde bouler dans permanente premièrement gain problème professionnel là monde là qui pas gain les techniques professionnelles pour et suivre étape de défrisage là et puis deuxièmement tout gain produit qui n'a pas approprié par rapport avec sensibilité cuit cheveux mon là donc gain des monde qui ont cuit cheveux qui très sensible c'est ça fait comme si qui mène tout avec cheveux en bouléa mon là qu'on boulé le pas prend parce qu'il pas suivre étape pour lui défriser complètement et l'autre bagage encore qui qu'on fait mon nan boulé gien des monde qui va le mettre permanente psychologiquement mon nan dou tête li depuis dit va le mettre permanente tête li gratter c'est comme si me te ka dou pour tête là gien une information qu'il va le produit là dedans et puis il tomber gratter et là ça me juste dit mon nan déconnecter l'espoir par rapport avec que ou va le mettre produit hein, parce que c'est vraiment bah psychologique mais qui pas gien aucun rapport scientifique ensemble avec ça. Donc pour cheveux en lui-même pour mon n'a pas bouler, faut cheveux pas trop sale. Nous dit mon yo pour laver cheveux 3 à 7 jours de avant que vous mettez permanente là. Donc ça veut dire ça c'est précaution pour ou même personnellement pour prendre pour capable et pratiquer avant ou mettez permanente dans cheveux. Donc pour pas bouler, faut cheveux pas trop sale. Faut que un professionnel qualifié qui pour mettre le pour vous. Ça veut dire faut formation mon adéquat faut c'est pas parce que on entre dans salon on dans studio ou jeune mon la dedans qui veut dire que mon yo c'est cosmétologue qui veut dire que tout yo ka mettre un produit dans tête tout sans problème non c'est pas ça ça veut dire faut gain certitude faut gain garantie que mon qui travaille dans tête toi sont professionnels réels que lié et ça m'a dit on capable vérifier c'est pas parce que mon nan li te kon mete ou bien ouais mon mete li kon mete des fois li prend que l'a toujours mete pa gen kou chance la dan ça veut dire balance son science lié gen or et science donc
gen des bagay qui mande yon connaissance en plus. Par exemple, pour aider moun nan choisi ki produit ke la mete nan chevel, faut que moun nan gon base de chimie cosmétique. En chimie cosmétique, ou konnen par rapport à type de cheveux moun nan, à porosité cheveux an, ou ap konnen ki produit actif ki doué nan défrisant pour acheter pour mettre nan cheveux an. Donc en clair, pour pas brûler nan permanente, li mande gen il faut personnel pour faire, faut pas gâter cheveux, sou fait que fin mettre permanente ou fait que fin mettre allonge ou fait que fin mettre greffe. Faut qu'on prend sang pour bailler cheveux à 2 semaines de repos si c'est et 2 mois si c'est 1 mois capable une semaine de repos pour éviter que les cheveux soient trop sensibles pour capable mettre faire retouche. Et l'autre barre encore qui est important dans défrisant c'est que c'est pour gagner assez de nouvelles repousses pour que capable faire une retouche avant même ou faire une autre application. Donc c'est ça en clair que ou même besoin pour capable faire un défrisant qui un défrisage qui réussit. Avec ou gain il faut personnel pour faire ou gain choix personnel là pour faire et faut qu'ou même ou pas trop pressé, c'est parce que c'est chaque mois faut me faire retouche, faut cheveux me toujours soir. Donc toujours par exemple sous tête moi na faire défrisage, mettez en décembre, mettez en mai, mettez en août, après ça me va le mettre en décembre encore. Et j'en dis nous monde qui habitué ensemble avec me pas mettre défrisage souvent ba fait défrisage souvent nan tête moi. Donc et client mi auto, ça dépend de type cheveux moun nan, de comment cheveux a résistant ou pas, ou capable mettre 3 fois nan année à la rigueur 4 fois nan année. Donc ça c'est précaution d'usage et j'en me dis jodi a nan première partie émission c'est question ça que moi me t'a répondre pour nous pour plaisir nous. Donc à continuer toujours écrit sur 31 53 55 39 là. Ou bien nous écrit sur Facebook toujours poser question et puis automatiquement que m'a aménager un temps m'a venir pour venir répondre nos questions. Mes amis, tendez une bonne nouvelle. Centre Kalou vient l'école cosmétologie nan niveau international. Dans Centre Kalou l'école cosmétologie stage pratique nan pays à tant pour États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tout compte allié déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Mesdames, chevin se fiatin? Si m'ta reme gen bel cheve bien founi, mande produit Centraca yo. Gam produit Centraca yo bon pou cheve naturel tan kou cheve permanent. Ti moun kon gran moun ka servi ave yo. Si cheve rabone, yo pa pran nan permanent, gote tou kale, yo pa bel, yo fè chit, yo pa founi, yo gen kap. Exigez produit Centraca dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui femme servie avec produit Centraca. Relez Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Nous tournons après pause là, pas oublier ou suivre émission bien-être et beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission est disponible sur YouTube pour capable taper émission bien-être et beauté, ou je n'en pile émission sujet qui intéresse ou et puis vous garder ou faire en mon garder. Émission bien-être et beauté, c'est une émission qui est supportée par Centraca École Cosmétologie. Nous sommes en phase d'inscription à présent et elle est supportée tout par Centraca École de Coiffure, la nouvelle promotion. Donc, il y a des gens qui commencent à venir inscrire, moi, je suis vraiment intéressé. Et nous avons 2 horaires. Nous avons horaire lundi matin et nous avons horaire dimanche midi pour 5h. Et formation en coiffure, là, s'il vous plaît, c'est une formation de 3 mois. On commence en octobre, on finit en décembre. Et formation cosmétologie, c'est une formation de 9 mois jusqu'à examen d'état. Donc, pas confondre, l'horaire est pour moi des informations. Coiffure, 3 mois, cosmétologie, 9 mois. Il n'y a pas même bagaille. Donc, allez sur page de collab pour avoir plus d'informations. Puis, on passe inscrit dans le centre à chaque jour, excepté samedi, dimanche inclus. 8h pour 5h, capable de passer inscrit. Donc, vraiment, gain spécial. Et ça m'a annoncé que je voulais bailler vraiment un cadeau, parce que nous connaissons le mois d'août, c'est moi PAM, c'est moi FETMOIN.
m'a bay 10 demi-bous nan coiffure lan pour moun ki pi fidèle nan émission Bien-être et Beauté. 10 demi-bous pour fidèle téléspectatrice émission Bien-être et Beauté en coiffure, préciser. Et émission li supportée par Polyclinique Christina qui gen deux adresses pour servir et Claircine presque en face bim nan. Et puis Rue Saint-Honoré numéro 94 pour tout problème stérilité masculine, féminine, problème infertilité, problème et relation sexuelle. Donc joignez avec docteur Exantus dans des adresses à eux, l'observer. Et émission lui supporter tout par Université Mont-Everest qui gagne la donne sciences médicales, sciences infirmières, sciences juridiques, sciences et administratives et sciences et de l'éducation. Donc, je nous dis là, je dis à émission vraiment spéciale, n'a pas un petit temps pour garder et on parti dans graduation l'école là commence à te. Nous allons aborder maintenant l'historique de l'école. Beaucoup d'entre vous êtes là avec nous cet après-midi, mais vous ne connaissez pas l'histoire de Saint-Lacan. Et c'est une histoire qui est assez interpellante, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans une histoire, dans la création d'une institution. Et c'est comme ça que je passe le micro à M. Célestin Roldan, qui va nous donner vraiment plus de détails sur où nous sommes ici présents. Dans cette salle, précisément, moi, j'avais vu des travaux de construction, comment ça a commencé. Donc là, vous êtes peut-être curieux de comprendre, je ne vais pas attendre trop longtemps. Monsieur Célestin Roldan, à sous vos applaudissements, bien entendu. Et pour l'histoire de l'école, je dois dire que Saint-Lacan est un rêve devenu réalité. Alors, ça part d'une banale discussion qui parle d'un flagrant constat, celui du professionnalisme des soins esthétiques en Haïti. Alors, Léonie et moi, nous étions deux contractuels au ministère de la Santé publique et de la Population. Je travaillais au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose et Léonie au niveau du programme national de lutte contre le sida. Nous étions deux contractuels et dans la même année, nous avions décidé de démissionner et de lancer l'entreprise Saint-Lacan en 2012. Alors, Saint-Lacan est lancé dans le but de permettre à tout un chacun de bénéficier des soins esthétiques de manière professionnelle. Parce qu'il y a ce manque de professionnalisme dans ce métier en Haïti. Mais alors que nous avions lancé Saint-Lacan, il y a un autre manque que nous avions dû constater, c'est le fait de trouver des professionnels de qualité dans ce domaine. Après avoir lancé Saint-Lacan, nous avions lancé Saint-Lacan Institut de Beauté, qui est l'organe formateur. Nous nous sommes dit que nous allons former des professionnels de qualité. Et en 2016, nous avions débuté avec les cours et sous le nom Saint-Lacan Institut de Beauté, avec son acronyme CIB. Le slogan de l'école, soyons des créateurs de beauté. Faire de nos étudiants des magiciens en matière de création de beauté. Et les preuves sont là, vous pouvez visiter la page Facebook de l'école Saint-Lacan Institut de Beauté sur Facebook. La beauté devient donc un œuvre artistique quand on est esthéticien. Il y a un autre constat que nous avons fait en Haïti, c'est que le coût pour l'homme de la formation en esthétique en Haïti est vraiment désuet. Ce qu'on fait en Haïti, ce n'est pas ce qu'on fait à l'étranger. Alors, nous avions décidé aussi de lancer notre propre ouvrage qui est, bien sûr, à la maison d'édition. Et on espère dans les mois à venir qu'on aura un livre de niveau international où on peut vraiment dispenser des cours de niveau esthétique. La tâche n'est pas du tout facile, mais comme a dit notre
nos arrêts, nous mourons sur le champ de bataille, nous ne sommes pas prêts d'arrêter un chemin. Il faut en finir avec cette conception que le métier de l'esthétique soit réservé aux ratés de l'école secondaire qui peinent à se frayer un chemin à l'université. Ne vous pas qu'à apprendre l'école, ne vous pas qu'à apprendre l'université à l'esthétique. L'esthétique est un métier à part entière qui réclame une base solide en chimie, en physique, en électricité, en sciences naturelles, en maths et en géométrie. Pour faire une coupe, il faut être bon en géométrie. Pour analyser un produit esthétique, il faut être bon en chimie. C'est pour cela qu'ici, on apprend aux étudiants la chimie cosmétique. Et d'ailleurs, c'est le deuxième cours de l'école, la chimie cosmétique. Le premier cours, c'est le service à la clientèle. Parce que le métier de l'esthétique, ce n'est pas de faire belle, de maquiller, de faire la manicure, mais aussi c'est de garder la clientèle. Oui, les ratés n'ont pas leur place dans ce métier, et c'est pourquoi les étudiants sont toujours étonnés de voir le contenu des cours. Une esthéticienne a une tête bien faite, et c'est pour cela que nous n'avons pas la grande foule. Nous sommes contre les formations PAPADA et nous espérons lancer dans les prochaines années à venir d'autres disciplines et pourquoi pas les cours plus poussés en esthétique et une formation continue pour les professionnels du secteur de l'esthétique. Merci. J'ai été honorée. Parce que je dois vous avouer, j'ai été l'une de ses premières clientes. Et on a toujours gardé contact et j'ai suivi pas à pas tous ses rêves, toute son évolution pour arriver là où elle est. Donc quand elle m'a dit, Christophia, je veux que tu sois la marraine de la promotion, je me suis dit, Léonie, vraiment, c'est un grand honneur et je dois accepter et je vais accepter. Donc me voici là devant vous à faire un petit discours. Un discours qui va encourager les récipiendaires d'aujourd'hui à faire leur chemin. Chères demoiselles, chères dames, vous avez choisi ce fracas. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en la directrice, vous avez confiance en ce staff, parce que vous savez qu'ils peuvent vous accompagner, qu'ils peuvent vous inculquer les notions dont vous avez besoin pour servir chaque personne, pour être des créatrices de beauté, comme le slogan l'indique. Donc vous avez fait un bon choix et je suis sûre que durant ces 9 mois-là, vous avez bien appris toutes les notions qu'ils vous ont transmises, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous fiers de vous. Nous sommes tous fiers du travail que vous avez effectué durant ces 9 mois. Et vous avez appris ce qu'est la cosmétologie. Vous avez pratiqué la cosmétologie. Et il y a plusieurs définitions de la cosmétologie qui circulent. Mais l'une d'entre elles a beaucoup retenu mon attention, qui est la cosmétologie est l'art de gérer l'image de soi. Donc vous-même, vous avez cette mission, vous avez la mission de gérer l'image de chaque personne qui aura à se présenter devant vous. Vous aurez à gérer son image extérieure et son image intérieure. Comme madame l'a dit tout à l'heure, madame notre maître de cérémonie, quand on se rend au studio assez souvent, on veut se confier. En plus d'être belle à l'extérieur, on voudrait se sentir belle à l'intérieur. Donc on a besoin de se confier, on se confie à l'esthéticienne. C'est pas que c'est un fait, non? Mais il y a là pour attendre, pour échanger. Donc mesdames, vous avez ça comme mission. Vous avez comme mission, je reprends, vous avez comme mission de gérer l'image de chaque personne qui se présente devant vous. Donc soyez patiente. Vous avez bien compris. Soyez patiente avec les clients, parce que c'est ça votre mission. Donc, je vous souhaite bonne chance dans votre parcours et que Dieu vous accompagne à chaque pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis chanceux d'avoir une marraine aussi éloquente à mes côtés et qui, en des moments peut-être difficiles, aura à m'aider à accompagner ces dames. Et madame la directrice, madame la présentatrice, mesdames, messieurs, chers invités, chers diplômés, c'est quasiment un honneur, un privilège pour moi d'avoir répondu à l'appel de et Madame Desroses, qui est non seulement une amie,
mais aussi quelques que j'ai pratiqué à travers une émission que j'ai dû faire avec elle. Et là, ça a été le clip, l'émission a servi de prétexte pour au moins lier l'amitié. C'est ce modèle de femme, cette visionnaire, cette battante que je souhaite vous voir émuler dans votre vie, mesdames. C'est quasiment dans une Haïti difficile, mais bourrée d'opportunités. Cette femme, CJ Walker, a su saisir les opportunités au bon moment, mais tout en restant attachée à une passion qui était bonifier l'être humain, bonifier ce que nous avons de beauté, de cosmétique. Chers diplômés, je tiens à vous rappeler que vous êtes la fierté de vos parents, de vos familles, de vos amis, de vos professeurs ici présents, mais aussi ce qu'il faut comprendre, de tous ceux qui vous ont accompagné tout au long de ce chemin difficile pour certains. Je suis conscient que pour parvenir à ce jour, mesdames, vous avez dû faire preuve de discipline, d'abnégation, de persévérance pour que vos efforts soient aujourd'hui couronnés d'effets, soient aujourd'hui récompensés. Mesdames, messieurs, je terminerai mes propos en réitérant mes félicitations, ou encore mes vives félicitations à ces dames, à leurs parents, à leurs amis, à leurs familles, mari et autres. Je vous souhaite, mesdames, tout plein de succès et plus que jamais, le pays a besoin de vous. Je vous en remercie. Je dois dire en passant que Madame Christophia, 2007-2018, la plus ancienne cliente. C'est ça le critère qui était poussé pour choisir Madame Christophia comme marraine pour vous. Et Monsieur Ilric, c'est parce que son monde est toujours encouragé, depuis avant même que nous rencontrions, l'aime partager en bagaille, il est toujours partagé. Il y a un peu de monde qui va comprendre une valeur ça. Si on n'a pas son supporto, alors on poste ou on écrit en bagaille, on en partage. Merci, messieurs là. Mesdames, messieurs, la presse parlée, écrite, télévisée, chers parents, chers récipiendaires, c'est un honneur immense et une joie inévitable pour moi en ce jour doublement spécial. Spécial premièrement parce que aujourd'hui je salue un nouveau printemps et alors que les années passent, je me vois comme un vin qui se bonifie. Deuxièmement, l'école grandit et des progrès énormes ont été accomplis jusqu'ici. Nous remercions le Tout-Puissant qui a été le grand architecte de cette victoire. La croissance de l'école est marquée non seulement par la qualité des diplômés, du point de vue de leur sens de responsabilité, vous les voyez, c'est vous maquillez tête, vous faites tout derrière vos têtes. Okay? Du point de vue de responsabilité, mais aussi du sens de professionnalisme qu'elle développe dans le milieu de travail. Et nous les félicitons énormément. Merci de les applaudir au chaudement. Je dois féliciter vos parents et amis qui vous ont conseillé, soutenu et supporté tout au cours de ce cycle d'études. Laissez-moi vous dire, chers parents et amis, qu'elles ont travaillé dur et réussi avec succès leur formation. De 25 inscrits jusqu'à février 19 à l'école, maintenant aujourd'hui, aux examens d'état, nous avons 10 qui ont participé. Aujourd'hui, on a 3 gradués, vous comprenez. Donc, laissez-moi vous dire, chers parents et amis, qu'elles ont travaillé dur et réussi avec succès leur formation. Michel Masson a écrit dans son ouvrage « L'inévitable » L'héritage le plus fructueux qu'on puisse laisser à un fils, c'est une solide formation et une formation honorable. Fin de citation. Oui, elles ont reçu une solide formation pratique de niveau standard international et une profession honorable qui va les aider à se parfaire une santé dans ce monde d'incertitude. Le marché de l'esthéticienne étant en pleine expansion. Et bien aussi l'opportunité. Il faut un peu de rigueur et de discipline pour accrocher aux rêves.
des rêves que nous chérissons tous et qui forcent beaucoup plus d'un à se réfugier ailleurs pour mieux rêver. Le district cosmétique mondial est en pleine vogue avec 25% d'efforts et une croissance de 7%. Il y a des économistes dans la salle. Sur ces 10 années, c'est d'ailleurs un champ croisé vierge en Haïti, même si le pouvoir d'achat de la population a chuté considérablement. La demande des soins de beauté n'est pas à la baisse, qu'il s'agisse de soins de peau, d'eau et de cheveux. Le véritable défi pour les adultes, rester à l'école surtout, lorsqu'on a des responsabilités, un jour est comme vraiment 1000 ans. D'ailleurs, la première question qu'on vous pose, et sur le coup, combien de temps ça va durer? Les adultes veulent de formation qui leur permettent un gain rapide, des formations pas. Ils ont légion de nos jours, mais attention aux formations au rabais. Des formations qui font partie d'un cursus et qui ne vous donnent aucun grade. Investissez de préférence dans de solides formations qui vous permettent de mettre en valeur vos capacités et qui vous permettent aussi de travailler partout ailleurs dans le monde. Et c'est ce que nous faisons à Centrafab, Institut de beauté. Sans nous vanter, nous pouvons dire à voix forte et gorge déployée que cette formation répond parfaitement aux standards internationaux. Chers récipiendaires, vous pouvez travailler partout dans le monde et soyez-en fiers. Elle était investie dans les produits capillaires à un moment où l'esclavage battait plein, où les gens utilisaient de la soude pour les cheveux et pour le bain. Vous aussi, vous pouvez devenir manquer le métier de votre emploi. Soyez innovant, n'ayez pas peur de prendre des risques. Essayez quelque chose, ne soyez pas d'esclaves d'un emploi, menez une vie équilibrée. Pour décrocher ce diplôme, vous aviez dû batailler sans relâche. Les métiers pratiques ont cette vertu d'être à la fois fatigant et passionnant. Entre les deux, on peut être comme bipolaire avec des excès de joie ou fait de colère. Mais vous aviez été au-dessus de tout. Retrouver des mannequins pour travailler, pour remettre des travaux pratiques n'a pas été facile. Il faut leur donner nourriture, frais de transport et bien d'autres. Tout le monde est passé par là, vous aussi. Je vous lance donc tout de suite cet appel. Vous êtes appelés à intégrer le staff professionnel, le staff des professeurs à l'Institut de beauté Centrafab, d'une façon de répliquer la formation. Merci de participer à cette dure tâche de formation des concurrents. Chers récipiendaires, les temps sont durs et nous devons nous accommoder. À cet effet, j'ai de précieux conseils à votre intention. Que vous soyez sûrement appris dès les premiers cours d'ici à Centrafab Institut de beauté. Premièrement, ne jamais considérer l'agent avant le client. Il faut un peu d'humanité dans votre relation au jour le jour. Une esthéticienne est une conseillère. Les clients viendront vous raconter beaucoup de choses. Soyez une oreille attentive. Deuxièmement, soyez modeste. Vous pouvez ne pas savoir quelque chose. Vous pouvez apprendre de n'importe qui. Il y a des clients qui savent mieux que vous, mais qui vous surveillent. Troisièmement, soyez toujours up to date, devancez vos clients, cherchez des formations ici et ailleurs, apprenez une langue étrangère, suivez les vrais professionnels des réseaux sociaux. Quatrièmement, restez connectés les unes aux autres, demandez conseils, organisez-vous en réseau, comme dit le slogan Ensemble Fort. Cinquièmement, perfectionnez-vous.
La science évolue. Soyez toujours à la recherche de compléments d'informations qui peuvent vous être utiles dans votre profession. En dernier lieu, les clients sont rois. Faites ce qu'ils vous diront tout en restant professionnel. Un client satisfait vous donne un autre. Et un client non satisfait vous fait perdre 10 autres. Mieux vaut perdre de l'argent que de perdre votre réputation. Fait comme moi. Les mauvaises nouvelles fusent à la vitesse des éclairs. Cette année, c'est un nouveau chapitre. Nous allons nous lancer dans la formation de coiffeuse professionnelle à Sankara Institut de Beauté, une formation de 3 mois. Une école de coiffure qui répond aux attentes de la clientèle. Coiffer les clients professionnellement. L'année prochaine, nous comptons lancer aussi la formation des maquilleuses et des manucuristes, toujours dans une logique de formation de compétences dans un domaine en perpétuelle évolution. Félicitations à vous, gratuits. Continuez à porter haut cette bannière. Félicitations et merci encore de la confiance que vous avez placée en nous. Sankara sera toujours là pour vous. Nous avons des programmes de formation continue et de perfectionnement à votre intention. Merci déjà de ne pas abandonner Alma Mater. Nous allons réciter ensemble la prière de l'esthéticienne. Elle a eu un accident. Seigneur notre Dieu, toi la source de toute beauté, fais qu'en exerçant notre profession, nous soyons des messagers de paix, d'amour et de joie. Mais à partir de maintenant, vous n'êtes plus des étudiants, vous êtes mes consoeurs. Je vous prie de changer le mouvement de position. Et je vous déclare gradué à l'Institut Sankara de Beauté. Chers gradués, chers consoeurs, et merci encore de la confiance que vous avez placée en nous. Merci à tous. Nous passons tout de suite à la remise des parchemins qui sera réalisée par Odette. Sous vos applaudissements, mes amis. Cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sous bien-être monde. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h p.m., mardi 7h a.m., vendredi 4h p.m. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h p.m. Relais Sankara dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Nous retournons après pause là, nous souhaitons que vous ayez bien gardé comme graduation était apprécié et la qualité et comme ce niveau que j'en nous t'ai organisé graduation hein. Et m'espérer que ou a gen conseil pratique pour capable ba nous donc nous ouvert aux critiques
pour la prochaine promotion parce que aujourd'hui il y a une passation de flambeau, donc il y a déjà des gens qui inscrit qui déjà dit c'est eux même cap meilleur que l'autre promotion. Donc j'en nous dis émission et bien-être et beauté sont émissions qui passent chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission est disponible sur YouTube pour capable regarder, faire un regarder soit en Haïti ou bien à l'étranger. Je dis à j'en t'ai annoncé dès le début émission, nous gagne plusieurs parties, nous t'ap fait la donne. La première partie, nous t'ai répondu avec questions que téléspectateurs, téléspectatrices ont posé nous. Donc dans la deuxième partie, nous faut vivre en partie dans graduation, hein? Graduation deuxième promotion Centre Aka École Cosmétologie. Et dans la troisième partie, nous avons ensemble avec nous Odette Demerville, qui est on nous dit représentante et promotion sortante là. J'en saute garder ouais c'est une étudiante finissante graduée qui pas donné à en pile tout monde parce que jusqu'à février me gagne 19 monde l'école là et te gagne 10 calé dans examen d'état et finalement pour des contraintes d'une part ou de part et d'autre de la vie et autres nous ouais c'est toi qui gradué parce que normalement l'école là pas tant de personnes depuis date déjà fixée n'a pas avancé. Odette, nous bien content gagne une émission bien-être et beauté. Comment est Odette? Oui, très bien, nous très bien. Non, moi c'est Jean-Madame Deozian, c'est Demerville Odette, finissante et en cosmétologie et à l'école Centre Aka. Jean-Madame Deozian, l'école Centre Aka, bon bah qui ça me t'a dit? Son l'école vraiment qui fait en pile bagarre parce que l'aime t'es fait vin la donne. Gè bagarre m'pas bon la donne du tout. M'pas bon la donne du tout et finalement je ne sais pas chercher à. Bon, mais besoin bagarre ou de comment t'es fait contre l'école là? Bon, l'école là, m'pas qu'on garde émission. Mais son ans même qui était qu'on toujours regarder émission, suivre émission et puis il parlait de l'école là et puis bon, m'était gain ça dans somme tout, m'était vraiment aimé et cosmétologie et puis il dit si m'intéressé, m'fait le point information moi et puis finalement moi m'allé, l'aime rivé vraiment pas regrette. Je ne regrette pas et 10 mois ça me passé à vraiment tout bagaille en forme. OK. Très en forme. Et qui ça comme si d'abord ou même ou pire aimer l'école là? Qui ça qui sont pire aimer leur venir l'école là? Parce que généralement l'école pas contre douce, surtout pour grand monde comme si l'aime dit grand monde depuis monde n'est pas dans phase adolescente comme si l'école c'est toujours un bagaille difficile pour lui. Qui ça comme si tu apprécier l'école là? Bon, ça que m'ta apprécié moi m'gon pile bagaille m'ta apprécié de l'école là et puis madame Dero c'est un quel que soit élève là dès pour venir dans centre aka à faire pour ta sortir pour dire que ou pas ka meton on paie mal dans un monde c'est pas vrai du tout parce que non seulement li bon explication yo li apprend nous et puis l'élève là lui m'a fait et pose action tant que l'élève en pratique madame n'est toujours là li camper l'a suivre toute bagaille l'a contrôler ouais l'a contrôler toute bagaille ouais mise en roule tout toute bagaille ça yo ou si élève a supposé connait ou pas ca saute dans centre aka pour pas connait faire mise en roule ouais faut qu'on connait tout le bien ou bien faire application permanente toute bagaille bien passé et puis zong toute bagaille bon moi même pas regrette ouais vrai franchement pas regrette moi même et ça qui était difficile pour étudiant c'est l'aime dit que application des frisants c'est disponiblement de ça pas oui. Déranger honnête ça t'est dérangé moi même ça t'est vraiment dérangé parce que parfois m'konn a dit côté m'a besoin 10 monde ouais m'konn a dit qui pour m'a besoin 10 monde madame m'a dit non ou a besoin ouais ou a besoin et vraiment vrai il était vraiment encouragé nous ouais il bon est-ce que t'es ouais m'te demandé trop ou bien m'te oui ou t'es demandé trop non mais c'est standard mais, là oui bon pour moi même moi ouais, parce que m'pas penser que m'a besoin 10 monde dans moi même ouais. Et madame De Rose tout et puis il toujours aider nous tout les élèves là pas gain et mannequin pour le travail lui même encore parfois lui même encore aller chercher monde pour élèves là ouais bon me féliciter madame dans pile ouais parce que vraiment bon me fini dans l'école là me senti me regrette l'école là parce que ça vraiment me féliciter madame dans. OK, qui ça comme si ou même tant que exemple vous dit parce que ça si mon yo comprendre yo pense les mandan pile pratique là, gen qui comprennent que c'est pour me faire gaspiller l'argent mais c'est perfectionnement oui, qui marche. Oui, oui, oui. Donc et standard international là mandé 10 applications, ça veut dire chaque l'offre ou fait ou refait, me fait la avec nous.
m'fait pour nous garder, m'fait avec nous et puis quitter nous faire pour compte. Donc et j'aime dire là, mais qui sont pire aimé dans cosmétologie hein? Parce que vous dites qui sont pire. C'est pas si cheveux à moi même. Parce que moi même c'est essoulim plus basé, cheveux hein, et puis avec et maquillage là. Ou ça vraiment aimé maquillage parce que moi sont monde qui toujours aimé belle. Ouais, me toujours sous maquillage moi, ça vraiment vraiment aimé. Mais à part de ça, mais toute bague en forme, toute bague en forme, mais moi même ça que moi même plus perfectionné là-dedans, c'est maquillage là et puis avec pour coiffure. Et coiffure. Mais l'école moi même me conseille mesdames si n'a chercher un bon l'école en cosmétologie, me conseille nous venir dans centre Aka parce que on pas qu'on a pour regret l'argent nous vraiment. Ou pas regrette l'argent non parce que moi même pense l'école est cher ou dette. Oh l'école n'est pas trop cher. Non, il pas trop cher. Mais il y a toujours du senti bon coûter cher. Ouais, si vous pas besoin à l'autre côté parce que gars élève qui fait 10 mois non à l'école, imaginez gars élève qui fait 10 mois non à l'école. L'elle sorti élève là pas ca mettre un rouleau dans tête. Un monde élève là pas ca faire application permanente bien pour un monde. Dans centre ca pas gain bagarre comme ça parce que une fois que vous sorti dans centre ca à faire pour du pas qu'à mettre des manades bien dans tête au monde pour cheveux monna après et tant qu'après rabi dans mon dans votre après abonné non pas des barrières comme ça dans centre ca madame dans li exjol et li pester les vieux même faut qu'on mette et permanente ouais fait bien mettez permanente bien et puis mettre qu'on mette tout le bien ouais vraiment conseille nous en fait bon moi même si nous aime belle comme ça bon moi même m'te kon gen pil moun ki toujours parler de YouTube moi même t'ai toujours t'ai kon sur YouTube tout mais l'été kou aller l'école là c'est pas même bagay parce que faut kou aller l'école pour capable identifier moun ki professionnel là parce que sur YouTube ou ap jeune des professionnels et puis gen moun ki c'est été a fait c'est grimace a fait c'est vini nan et chercher en l'école en cosmétologie pour nous capable vini apprendre c'est ça k'ap fait nous dévoiler ça qui est vrai, ça qui pas vrai. Ouais. Je pense que YouTube pas vraiment montré mon parce que en pile mesdames là sur YouTube et pourtant il pas vraiment montré au vrai. Bon, parce que parfois on regarde des bagailles là, il y a très rapide avec rapidité et pourtant parce que mon lui même ça l'a fait, il n'ta connait mais ou même si chaque jour chita là ou pour passer toute vie sur YouTube ou pas chambre connait vraiment. Bon, ouais. Moi mais ça dire parce que me tout dit OK. YouTube pas remplacer l'école. Oui, oui. Sinon, tu as fermé faculté de médecine, tu as fermé sciences infirmières, tu as fermé toute l'école et puis tout le monde a plagué sur YouTube. Parce que Jean Odette dit, sur YouTube, là, il y a des formations contradictoires. Par exemple, moi toujours prends exemple. Soit sur YouTube, il y a besoin de l'huile coco est bon pour cheveux secs. Il y a l'autre monde qui dit bon pour cheveux fins. Il y a l'autre monde qui dit bon pour. Comme si, ou je ne suis même. Oui, plusieurs bagailles et puis ça au bailan et puis il est basé sur plusieurs effets. Bon, je pense que moi même pas conseiller mon arrêter seulement regarder sur YouTube bon c'est vrai mais faut que nous cherchions l'école pour nous capable venir chita venir apprendre et moi même me conseiller nous venir dans centre Aka. Ouais, pas moi même l'aime te venir me pas comme ça, me pas comme faire un bon maquillage vraiment. Je suis toujours chita sur YouTube, je regarde YouTube, même pas de chambre professionnelle vraiment. Mais dans ce centre, je pense que une fois que vous sortez là-dedans, vous ne pouvez faire ni maquillage, ou bon là-dedans, ni dans les cheveux, ni dans tout le monde. Je ne sais pas pour regretter. Ça m'a dit concernant le maquillage, je m'a dit que les gens qui sont fidèles, téléspectatrices, téléspectateurs, émission Bien-être et Beauté, trois semaines qui passent là, ça veut dire trois semaines dans le mois d'août, trois dernières semaines. C'est Odette qui maquille à chaque fois pour venir dans l'émission. Hein. Donc, Odette, nous connaissons l'expertise Odette, c'est maquillage. Et si nous regardons le travail final que Odette a fait dans l'école, pour le mannequin Odette, c'est un mannequin qui est bien maquillé. Parce que vraiment, c'est maquillage professionnel. Et je crois que vous passez l'image là pour voir comme si Odette, ensemble avec mannequin, Odette dans ses œuvres. Voilà. Ça veut dire donc ouais que son maquillage c'est pas bah YouTube montré fait. Donc ouais son bail qui fini, son travail fini que lui présenté. Donc Odette vraiment bon dans maquillage et j'aime dire hein, jodi a deux semaines qui sont passées c'est Odette qui maquille et maquillage est fin, maquillage est vraiment et répond. Donc sous gain travail ou à faire ou gain mariage ou gain communion, gain réception, gain anniversaire, ou besoin un monde qui pour maquiller.
ou capable juste reler Odette ou bien reler ça dépend de qui ça voulait et puis là venir il vient maquiller soit la caille ou bien dans centre à ca et puis ou fait un contrat avec elle donc vraiment pas regrette que c'est Odette qui maquille et coiffure c'est designer donc sous habitué à Odette chaque semaine ou après tête Odette en gens donc c'est up to date c'est designer c'est monde qui à la mode dans coiffure donc et dimanche dans l'onjan ouais jodi en l'autre dans l'autre semaine là ouais sous aller sous page comment pas joyer comment pas joyer Denerville ou Detti et Detti studio et cosmétique Detti beauté studio de beauté ah OK donc soit aller sous page pour réalisation chaque monde ni maquiller il fait photo il mettez sous page là chaque monde ni coiffer il maquiller il mettez sous page là donc si on monde t'a besoin capable relo capable bay numéro téléphone on baron sou ki numéro pi joignable oui si on moun ta besoin de capable joine moi nan 47 43 96 95 reprenni 47 43 95 96 et 96 95 reprenni numéro parce que gen moun ka hôtel 47 43 96 95 nan numéro sa moun kapab jwenn mwen donc ou capable et m gen WhatsApp sou li tout moun capable écrim sou WhatsApp mwen tout ah OK donc ça veut dire donc c'est comme ça nous fait dans centre aka faut nous mettre valeur faut nous mettre étudiant en valeur et j'en nous toujours dit nous pour aller faut nous faire la faut assurer relève là donc moi même pas spécialiste en coiffure pas spécialiste en maquillage donc même gagner le fait que comme si j'aime faire et séminaire sur maquillage non son professionnel réel et Nispierre que m'a profité remercier parce que dans deux premières promotions passées c'est lui même qui formé au moins en maquillage vraiment au sorti des experts en maquillage donc pas gain problème pour joindre un étudiant de centre à Canan ça fini déjà yo donc pour ba un service professionnel c'est pas débâchi c'est pas formation pas d'ap c'est pas formation au rabais et ça fait comme si dans une journée de formation pratique 8 heures pour 5 heures en maquillage yo tout sorti professionnel réel en make-up bien sûr yo continuer à perfectionner yo à passer et puis m'a chercher formation pour yo à l'étranger tout pour y aller prendre des séminaires donc c'est dans phase ça nous y avec les finissantes chercher formation pour yo à l'étranger pour y aller perfectionner avec des professionnels de haut niveau donc c'est comme ça ça est Odette Baron sous ta gagne un dernier mot moi même dernier mot m'a dit mesdames vous suspendez chita sur YouTube cherchons l'école cosmétologie pour nous capable à l'apprendre ouais pour nous capable devenir un professionnel parce que pour nous capable ouais ça qui sur YouTube là pour nous capable identifier ça qui professionnel là avec ça qui pas professionnel parce que YouTube pas apprendre monde vraiment ouais mesdames cherchons l'école pour nous à l'apprendre pas chita sur YouTube. Donc, et j'aime dire, c'est Odette, c'est une étudiante finissante qui graduée ensemble avec nous. Et j'en nous dis, on a l'école de coiffure que nous avons lancée à Nessa. Odette déjà. Oui, déjà. Elle est déjà là pour la professionnelle. Parce que moi, j'aime ça en pile, déjà là. Donc, Odette, c'est bon, finissante en cosmétologie, mais nouvelle promotion de coiffure, Odette là, parce qu'il faut la perfectionner. Donc, c'est toutes félicitations pour Odette parce que Odette fait un pile sacrifice pour madame là Odette mettez nous voir ma couleur Odette mettez voyez couleur pour moi mettez couleur dans cheveux et fait en sorte de bail vraiment qui différent de ça qu'on ouais et maquillage moi depuis 3 semaines assuré par Odette et ça son fierté que c'est étudiante moi qui travaille pour moi et j'aime te dire dans discours graduation on pas peur laguer même laguer pied laguer tout comme ba étudiante moi parce que me connais ça me baio comme formation me ba baio formation au rabais me pas retenir information utile pour yo depuis poser une question c'est bienvenu qui me répondre Odette t'es bien content gagne un petit moment ça avant l'émission par contre tu gagne quelqu'un nous saluer oui bon m'pa tellement gen m'salue tout zanmi yo k'ap gade m ouais et puis tout moun ki toujours ki pa peur livrer tête yo nan même et puis m'gen quelques mesdames tout c'est moi toujours faire maquillage pou yo le takou le pral non fête le pral non bal yo reme le maquiller yo reme maquillage moi bon m'salue yo tout oui vous parlez pas avec parents papa monsieur Herman de Merville et puis Lucie Maninia ma grande sœur Maninia de Merville et puis tout le monde
tout l'autre ami mio ça ça me basté non yo. Oui d'accord parce que sous cité au café jalousie café oui. Des jaloux donc émission censée arriver dans fin ni n'a pas rappelé sponsor émission hein, c'est polyclinique Christina université Mont-Evresse centre à école cosmétologie qui j'en nous dit inscription yo déjà commencé j'en dit à poursuivre et pas oublier que m'a bailli 10 demi bourse pour coiffure là pour fidèle téléspectateur téléspectatrice émission bien-être et beauté et ça que m'a ajouté m'a rappelé mon yo année ça et promotion que n'a fait ali en deux groupes a un groupe mardi mercredi 9h 1h et puis a un groupe tout dimanche midi pour 5h pour monde qui pas gain temps en semaine pour capable venir dans l'école là pour capable venir apprendre parce que me fait pour tout monde capable venir te beaucoup reproché que me pas fait pour monde qui cap travail donc gain ni pour coiffure ni pour cosmétologie a une promotion dimanche midi pour 5h donc pas oublier Napton nous dans centre Aka chaque jour pour inscription et dimanche au vendredi 8h 5h ou capable passer dans centre Aka dans Delma 31 rue Jacques Premier tout prestation tap tap là li facile parce que camionnette rivé devant centre Aka donc c'était avec ou Léonie De Rose infirmière trichologiste Cap Zoukel Raymond en pile li comptait sous support nous li remet nous en pile à la semaine prochaine pour une plus belle émission. Cheveux ou cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport émission bien-être et beauté c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h p.m. mardi 7h a.m. vendredi 4h p.m. Émission bien-être et beauté c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h p.m. Relais Centre Aka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.